Qu'est-ce qui m'a amené à faire cette musique de Renoir stupide? Et qu'est-ce qui m'a amené, en fait, à asseoir ce cliché du noir qui joue le blues dans cette ville à la con, tu vois? C'est que déjà, quand tu fais du rap, t'es mort. Quand tu fais du métal, t'es mort. Quand tu fais du punk et du rock, t'es mort. Mais les projets acoustiques, je sais pas si c'est dû à cette espèce de fausse crise à la con, tu vois. Mais les projets acoustiques, ça marche de mieux en mieux. Et la plupart des icos maintenant arrivent à vivre de ça. Ça veut dire que même les plus gros durs à cuire, hein, qui font de la musique extrême, vont se mettre à faire ça. Parce que t'as la possibilité d'être payé pour 1 heure de show ou un peu plus. T'as la possibilité de gagner 100 euros par soir en fait. C'est ça la musique, non? On fait ça pour ça. On fait ça pour arriver à en vivre un minimum et se faire plaisir. Juste je le retrouve, c'est un truc à moi. Je te retrouve ça. Ça va chier. I know you're tired, little woman. That's because you sleep just with one eye. Cause you know, and I know. Devil always coming in the night. You get spread, woman. You get spread by the devil himself. Spread, 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 and spread. She gets spread, boss, night and day. Je parle de trucs un peu plus en rapport avec moi-même. Alors du coup, c'est facile. Hein, c'est premier truc, c'est le racisme. Je suis pas en train de dire que le monde devrait être sans racisme, etc. Des idéaux à la con comme ça, c'est juste pas plausible en fait. Moi, je suis raciste d'une certaine manière, tu vois. La plupart des gens sont racistes d'une certaine manière. On peut pas aimer tout le monde. Dès que quelqu'un vit d'une autre manière que la sienne, ça va nous faire chier d'une certaine manière, tu vois. C'est juste comme ça, quoi. On peut pas aller contre ça. Et puis. Mais par contre, on peut toujours en parler et toujours s'énerver sur un truc. Le principal, c'est d'avoir un sujet qui t'énerve. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Si ça t'énerve, tu vas faire quoi? Faire chier tes amis, leur gueuler dessus? Faire passer des mauvais moments à tes parents ou à ta copine? Non. Vaut mieux tout retranscrire musicalement parlant, tu vois. Tout enchaîner, vraiment, vraiment être violent dans la musique plutôt que d'être violent dans la vie de tous les jours, quoi. Moi, c'est depuis que je me suis mis à fond dans la musique qu'en fait, je me suis vraiment calmé, quoi. C'est vraiment à ça que ça m'a servi, quoi. Toute la haine, toute la rage que tu peux avoir contre les gens, contre aussi cette espèce de folie religieuse qu'on vit tous les jours, qui dicte à peu près la moitié de notre mode de vie, tu vois. Tout ça,
C'est ce qui me motive à faire de la musique, quoi. T'as, regarde, je sais pas si tu filmes encore, j'ai un truc pour toi. Combien tu connais de bluesman qui ont ça? Ça, c'est un album d'un groupe de black metal norvégien qui s'appelle Marduk. Des tarés. Et j'ai même envie de dire des fachos, je crois. Ah, j'ai besoin du petit cahier. I go, yeah, how much I love you, nobody knows, but someday, baby, you're gonna worry my life, since you've been gone, I have to worry, my life gone, but so many nights I let alone, yeah, thinking about you, no one but you, but someday, babe, you're gonna worry my life anymore. All I gotta say to you, yeah, goodbye, baby. I don't care what you do, but someday, babe.